Wow, bonjour frère et sœur, vraiment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué l'histoire de cette jeune femme qui a été abattue par des inconnus alors qu'elle se trouvait dans un magasin, un endroit où elle faisait son commerce. Nous n'avions pas assez d'informations sur ce qui s'était passé, mais là, tout à l'heure, je viens de recevoir des news sur ça encore et je tiens à faire cette vidéo pour vous en parler. Écoutez, cette fille que vous voyez à l'écran, elle est une jeune actrice au Nollywood, c'est-à-dire dans l'industrie du cinéma au Nigeria. Elle s'appelle Ngozi Chimeke. Pendant que elle allait travailler dans le cinéma, elle faisait aussi quelque chose à côté de son petit commerce, histoire d'arrondir son argent de fin de mois, histoire de mettre de la nourriture sur sa table. Vous voyez? Et selon l'information que j'ai reçue, alors qu'elle avait fini de vendre, et qu'elle se préparait à rentrer, des voleurs sont venus lui demander son sac. Ils lui demandent c'est-à-dire ils sont venus pour prendre son sac, et ils lui demandent de leur rendre son sac. Chose qu'elle a refusée. Elle a refusé de donner son sac. Et l'argent qu'elle a travailler dur pour avoir à des voleurs. Et pendant que elle parlait, elle refusait, elle luttait pour ne pas qu'ils amènent son sac. Il y a un parmi ces brigands-là qui a tiré sur elle et elle est tombée. Elle est morte. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant qu'elle luttait son sac, elle a tiré sur elle. Tiré. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Pour moi, cette fois-ci, nous devons être en prière et être prudents. Être très vigilants. Que Dieu nous protège. La fille, elle va, elle lutte pour pouvoir s'en sortir. Elle n'est pas comme une personne paresseuse qui s'attend à ce qu'on mette de la nourriture dans sa bouche. Elle a appris à pêcher. Elle est en train de pêcher. Et pendant qu'elle est en train de pêcher, elle essaie de sortir du trou. Voici des individus mal intentionnés qui viennent et qui veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Elle a lutté. Elle a lutté. Malheureusement, ça a mal tourné. Voici l'information que je viens de recevoir. Vraiment, mes frères et sœurs, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, vraiment, félicitations à la fille. Félicitations. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que ça représente, l'argent, dans la vie d'une personne qui a travaillé dur pour avoir. L'argent représente la sueur de votre front, sur votre sang. Vous ne pouvez pas laisser le diable voleur vous dérober. Alors si c'est pour lutter, nous allons lutter jusqu'à la gare. Ça, je vous assure. À certaines personnes qui ont dit, ah, tu peux le laisser, après tu vas retrouver l'argent là, et ainsi de suite. Je vous comprends. Mais quand tu as travaillé dur pour avoir ce que tu as, c'est pas facile. Tout ce que je peux dire à ce moment-là, c'est que Dieu nous donne la sagesse.
Et c'est que l'Esprit de Dieu nous guide. Et que au moment T, des fois, c'est une situation que Dieu nous dise quoi faire, c'est mieux. Parce que hein, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Une fille qui luttait pour s'en sortir, je l'ai vue, j'ai dit, oh, comme elle est belle. Et je l'ai vue, j'ai dit, oh, wow, comme elle est jolie. Vraiment, que Dieu venge cette fille. Que Dieu venge cette fille. Que Dieu venge cette fille. Que Dieu venge la fille-là. Il y a plein d'innocents qui sont morts. Des innocents sont morts juste comme ça. Ils sont tous habillés en plein devant le trône de Dieu, en train de crier chaque jour, Dieu sait comment tu nous venges quand? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que votre nombre n'est pas encore complet. Il y a encore des gens qui doivent partir. Il y a encore des gens qui sont encore sur la terre qui doivent venir vous rejoindre. Que Dieu accueille son âme dans son paradis. Que Dieu accueille son âme chez lui. Et que tout ce qu'elle n'a pas pu avoir sur la terre, que Dieu puisse lui donner cela là-bas. Que Dieu pardonne ses péchés. Que Dieu pardonne tous ses péchés. Je suis en train de prier pour elle. Je suis vraiment touché. Je suis profondément touché. Parce que je sais ce que représente le travail. Le travail dur. Surtout en 2021. Surtout en 2021. Et ces temps-ci, il n'y a pas de bonnes nouvelles. On n'entend parler que de mort. Que de mort. Hier, je voudrais parler de cette mère qui pleurait parce que son fils a été frappé à mort par des gens de son école. Qui voulait qu'il rentre dans les sectes. Qui voulait qu'il rentre dans les sectes. Est-ce que, écoute, un enfant de 12 ans, face à ses camarades, tu lui demandes d'entrer dans une secte? Comment c'est possible? L'enfant a refusé et ils l'ont frappé. Il est mort aujourd'hui. Si vous n'êtes pas informé ou encore vous n'avez pas vu cette vidéo, cette vidéo va apparaître. Dans quelques instants, sur l'écran ici, vous allez la regarder, voir comment la mère est en train de pleurer. En ce moment, je vous parle. D'autres mères sont allées la soutenir. Dans la vidéo, vous allez les voir. Elles se sont habillées en blanc. Et elles demandent à ce que justice soit faite. Vraiment, c'est triste. Je suis vraiment choqué, surtout pour cette histoire de cette femme. Mes frères et sœurs, priez pour moi. Priez pour tous ceux qui se battent dans la vie pour réussir. Tous ceux qui ont choisi le bon chemin. Moi, mais je prie pour vous, que Dieu vous protège. Et que Dieu permette que vous puissiez jouir du travail de vos mains. Que vous puissiez jouir du travail de vos mains. Tout ce que Dieu a prévu faire dans votre vie. Que cela s'accomplisse selon sa volonté. Que l'ennemi ne vous arrache point la vie. Que Dieu garde votre vie dans le plus précieux creux de sa main. Qu'il ne vous laisse pas. Peu importe la situation. Qu'il ne vous laisse pas, vous les enfants bénis de Dieu. Qu'il ne vous laisse pas. Qu'il ne vous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Nous ne sommes pas parfaits, tu le sais. Mais ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Que ta paix soit toujours avec nous. Menace le voleur. Menace celui qui dérobe. Menace celui qui attaque. Menace toutes les personnes mauvaises sur la terre qui veulent notre malheur. Et que toi-même, Seigneur, tes anges campent toujours auprès de nous. Oh mon Dieu, je suis attristé.
attristé, je me consolais. Wow.